bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Detroit Become Human avec l'épisode 6. J'espère que vous êtes prêts, l'épisode précédent était juste incroyable. On est donc reparti dans la vie de nos chers androïdes et on va voir ce qui va se passer. En tout cas, je suis assez fier de mes choix de l'épisode précédent pour être honnête avec vous, en espérant que chaque épisode se passe comme celui-ci. Allez, Terminus. Le Terminus ? Ouais, vous pouvez pas rester là. Alice est amicale. On va la réveiller tout doucement. Réveille-toi. Ah, tu te bouges ! Non, je déconne, c'est un prank, évidemment. Ok, on va se lever calmement, pas de gestes brusques. Ce n'est qu'un bus et il ne se passe strictement rien. Ok. On va sortir du bus au calme. Rien à faire. On va demander s'il n'y a pas un abri. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. D'accord. Ah mais dehors, trop de danger dehors. Hop, on a été jarté, hein, ça dégage. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. J'aurais peut-être dû demander à rester, mais je pense qu'il aurait dit la même chose, honnêtement. Alors qu'un abri, ça coûtait rien de demander. Trouver un abri pour la nuit. Alors là, ça va être un petit peu la galère, étant donné que je ne vois rien aux environs. Allez, on a Alice, un on abri peut se de l'autre côté. Très bien. On va voir un petit peu, on va essayer de leur parler. Eux, ils n'ont pas franchi leur mur, vous voyez ce que je veux dire? On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit? Hop, c'est un battage de couilles complet. Super, hein. Super, après ça se dit la famille. Bravo, hein. Bravo les androïdes, hein. Ok, on a deux trucs là-haut. Attendez, peut-être qu'en insistant un petit peu. On y va, hop. On va traverser pas du tout sur le passage piéton. En fait... regardez aux alentours. Ce qui est bien, c'est que le fait que on ait cassé le mur, on peut traverser la route n'importe quand. Ça peut paraître con, mais c'est un signe. On a quelque chose ici. Ouvert 24-24, impossible de dormir ici. Demandez de l'aide. Ok, le magasin est totalement fermé. Ouais, mais même s'il est fermé, on peut pas tenter un petit truc. Si justement il est fermé, c'est qu'il y a peut-être une occasion, tu vois ce que je veux dire. Ok. Je suppose qu'il va falloir traverser. On avait vu quelque chose de l'autre côté. On peut pas courir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut mater les plans, peut-être, non? Public information, ça me paraît pas mal, ça. Ok. Il y a quelque chose à faire ici. D'accord. Mets-toi ici. On va lui parler. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Oh là. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. What?
Ok, ouais. On a quelque chose encore à droite. Et je crois qu'on avait quelque chose là-bas aussi. C'est terrible, on a l'impression d'avoir peut-être un peu trop de choix. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Une maison abandonnée. Au moins on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Non. Le grillage peut être coupé ici avec une pince coupante. Rester dans la maison ? Non. Elle a dit j'aime pas cet endroit, mais je serais d'accord pour l'écouter, tu vois. Sur le coup... Le grillage peut être coupé. Et on a aussi autre chose ici. Ils vont reconstruire. Donc si les machines viennent demain, c'est la merde, les gars. Ok. Aucun abonné. Il n'y a rien d'autre par là. On va aller à la boutique. On va aller à la boutique quand même, d'accord. De toute façon, j'ai pas le souvenir d'avoir une pince coupante sous ma jupe. Donc autant aller à la boutique. On va voir déjà pour acheter la pince coupante. Et ensuite, on a quelque chose ici. Waouh. De l'autre côté. Il y en a partout. Il y a des trucs partout. C'est terrible. Trouver une pince coupante, d'accord, pour dormir dans la maison. Si on le souhaite. Un motel. Mais j'ai pas d'argent. On a trouvé un endroit où dormir. Ah. On n'entre pas. On doit trouver $40. Et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. $40, dormir au motel. Alors très honnêtement, pour moi, le plus intéressant, ça serait de trouver des vêtements, $40 et dormir à l'hôtel. Normalement, on devrait pas être cramé. Je dis bien normalement, les gars. On a deux trucs à faire ici. On va y aller. C'est pour se laver, très bien. Peut-être qu'il va pouvoir nous filer $40. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Ah, il y a des vêtements à trouver ici, par contre. Ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi, je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. On peut pas faire ça. Aïe. Désolée, Alice, mais on n'a pas le choix. Oh là 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 là. De toute façon, on n'a pas le choix, quoi qu'il arrive. Si on veut réussir à faire quelque chose, on va enfreindre une loi, si je puis me permettre. Alice, même moi, par contre. Ok, va falloir faire très attention. Peut-être pas trop, faisant pas trop, non, je sais pas, ma soeur. C'est pas assez la merde, déjà? Ok. Compliqué cette histoire. Change-toi. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. On peut pas le savoir de toute façon. Mais pour moi, le plus sûr, c'est l'hôtel. La maison va être détruite. Elle est insalubre. Alice voulait pas rentrer. Quoi qu'il arrive, Alice ne veut pas. Donc, non, te réveille pas. Bon. Voilà. Ok, de toute façon, c'est sûr, il n'y avait pas de vêtements ailleurs. Que j'avais pas l'air d'un con quand même. Hop, on se casse. Allez, on y va. Elle a des vêtements propres et en plus elle a une doudoune. Ah, je suis désolé pour lui, mais de toute façon il s'est endormi, c'est pas grave. Ça lui a coûté quoi, 50 balles pour se fringuer comme ça. Ça va, il va pas nous casser les couilles. Bon, maintenant faut trouver 40 balles. Et là ça risque d'être très chiant. Donc comment on va faire? J'en ai fichtrement aucune idée. On peut pas rentrer là-dedans? Non, c'est fermé. Je pense qu'il va falloir voler dans la caisse. Mais c'est...
Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'au motel, c'est clairement mieux. La maison... Et puis au motel, ils viendront normalement pas me faire chier. Ils savent pas que je suis un robot. Je me suis plutôt bien déguisé. Donc ça devrait le faire. Franchement, j'y crois. Quitte à devenir... On va plonger dans la grande délinquance, hein, c'est pas grave. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Convaincre le caissier d'aider. Ah, mais le caissier... C'est pas son boulot, quoi. Je peux vous aider ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Je vais pas me mettre à filer des sous à tous les clodos du quartier. Voler à l'étalage, trouver un plan. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Jouer pour Alice ? Ouais, au point où j'en suis, allez, c'est pas grave. J'ai volé quelque chose. Je peux pas le remettre. Ok, on a du chocolat, des cookies. Non, faut pas trop en faire. Non, faut pas trop en faire. Nourriture pour Alice. Non, on va le reposer. Oh là 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 là, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pince coupante. De toute façon, en soi, si on veut la pince coupante, c'est pareil. Regardez, on est obligé de la voler. Donc quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre, on doit voler en fait. Attendez. Les cookies, je serais cramé. Là-bas, normalement, je serais pas cramé. On va y retourner. Utiliser Alice. Mais comment ça l'utiliser pour voler? Oh mon dieu. C'est pas cool. On va essayer. J'ai besoin de ton aide. Tu vois ces canettes là-bas? Je veux que tu t'approches et que tu les fasses tomber. Que je les fasse tomber? Mais pourquoi? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Tu vas bien? Tu t'es fait mal? $40, hein, pas plus. Hein. Non, t'en fais pas. $40, je suis désolé. C'est pour le bien de la gamine, putain. Allez, on s'en va. Je sais pas ce que ça va donner. On a de l'argent maintenant. Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent. Comment t'as pu? Je te faisais confiance. Factuel, se justifier, hésitant de s'excuser. C'est vrai. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, je recommencerai pas. Bon, j'ai dit que je recommencerai pas, donc on recommencera pas, ok? Putain, c'est la merde. Bon. Allez au motel. Il y avait trois possibilités. La troisième, je sais pas trop où elle était. Peut-être. Elle était peut-être tout au bout, non?
Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera $40 d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Ok. Je peux voir votre permis de conduire ? C'est qu'on est parti vite. Je crois que je l'ai oublié à la maison. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Hey gros, je veux juste une chambre, frère. Il me demande le permis. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Viens, Alice. Okay. Tu crois qu'il t'aille cru ou pas ? J'en sais rien, Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur que... On verra, on verra. Moi, l'hôtel me paraissait le plus juste. J'espère qu'il m'a cru. Pour un permis de conduire, non, n'importe quoi. Prendre un motel, il demande un permis de conduire. Les mecs, vous êtes où, les frères ? Oh, ça sent pas bon. Les motels comme ça, ça finit souvent très très mal. Dans n'importe quel jeu, ça finit très très mal. Allez, donne-moi ton manteau. On va accrocher le sien aussi, normal. Ok, bon. Est-ce que je peux lui donner le jouet ? Retirer. Retire. On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Je les mets à sécher dans la salle de bain. Faire sécher les vêtements d'Alice. Aucun souci. À mon avis, il faudra... Je pense qu'on va, on va avoir un assaut. Clairement, on va avoir un assaut. Il va y avoir un bail très chelou. Très sombre. Il faudra peut-être prendre les fringues très vite. Je sais pas. Ok. D'accord, ça sert à rien. On va peut-être retourner lui parler, non ? Je sais pas, lui donner son jouet. Alice, il faut qu'on parle. J'ai fait des bêtises, Alice. Je regrette, mais au moins t'es au chaud. Pourquoi il m'a jamais aimé ? Pourquoi il était toujours fâché contre moi ? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on ne pouvait pas être heureux ? J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Oh putain. Pour toujours. Quand ça commence comme ça, ça finit souvent mal. Il faut dormir maintenant.
Je vais éteindre la lumière, d'accord? Ok. Bon. Éteindre les lumières. Oh là là, ça sent pas bon. Suite au prochain épisode. Mais en tout cas, ça sent pas bon. On va lui donner le doudou. Regarde ce que j'ai pour toi. Merci. La bouffe était devant les caméras, donc je préfère pas la nourrir, tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être qu'il n'y a aucune importance, mais bizarrement, si on pouvait regarder la caméra, c'est que... Bonne nuit, si on pouvait voir son angle de vue, c'est qu'à mon avis, il fallait pas voler dans son angle de vue. Mais ça veut peut-être rien dire aussi, hein. Dormir ici. Oh, dormir à côté. Oh là là. Ok, je peux dormir soit sur le lit, soit en la regardant. Mais je suis un androïde, mais elle est toute mignonne. Allez, c'est pour la protéger. Voilà, elle me kiffe maintenant. Ça fait de la peine. Et c'est terminé, les amis. C'est terminé! Trophée obtenu, abri! Nuit passée dans le motel. Kara dort près d'Alice, au lieu de la regarder. Je lui ai donné son jouet. Je lui ai promis. D'accord, donc c'était soit promettre, soit l'autre. Il y avait... qu'est-ce que c'est, ça? Sortir du supermarché? Ah, j'aurais pu ne pas sortir du supermarché? Non. Voler discrètement. Je suis sûr qu'il y avait un plan pour ne pas voler, mais c'est pas grave. Et ça, c'était la maison. Un des deux était la maison. Et la troisième solution, il n'y en a pas encore parce que j'ai pas assez fouillé, bien évidemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. On a pris la solution du haut. Peut-être la plus simple, je ne sais pas. Dans la laverie, ouais, j'ai décidé de voler. Et tiens, au supermarché, j'avais une petite question. C'est où le supermarché? C'est ici. Se servir d'Alice comme diversion, on aurait pu faire à autre chose. Coup dur. On a laissé la barre chocolat, ça aurait pu ouvrir de nouvelles choses. Par contre, on a volé le jouet. Et on a laissé la pince coupante. Bon! Bah écoutez, je pense que ça m'a l'air pas mal. On verra ce que ça a entraîné pour les épisodes prochains. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.